Le chat et le renard, comme beau petit ça s'en allait en pèlerinage. C'étaient deux vrais tartuffes, deux archipatelins, deux francs pattes pelues, qui, des frais du voyage, croquant main de volaille, escroquant main fromage, s'indemnisaient à qui mieux mieux. Le chemin étant long, et partant ennuyeux, pour la coursir et disputèrent. La dispute est d'un grand secours. Sans elle, on dormirait toujours. Nos pèlerins s'égosillèrent. Ayant bien disputé, l'on parla du prochain. Le renard au chat dit enfin « Tu prétends être fort habile. En sais-tu tant que moi ? J'ai 100 ruses au sac. » « Non, dit l'autre, je n'ai qu'un tour dans mon bissac, mais je soutiens qu'il en vaut 1000. » Peu de recommencer la dispute à l'envi, sur le que si, que non. Tous deux étant ainsi, une meute apaisa la noise. Le chat dit au renard, « Fouillant ton sac, ami, cherchant ta cervelle matoise un stratagème sûr, pour moi, voici le mien. » À ces mots, sur un arbre, il grimpa bel et bien. L'autre fit 100 tours inutiles, entra dans son terrier, mit 100 fois en défaut tous les confrères de Briffaut. Partout il tenta des asiles, et ce fut partout sans succès. La fumée y pourvue, ainsi que les bassets, au sortir d'un terrier, deux chiens aux pieds agiles l'étranglèrent du premier bond. Le trop d'expédients peut gâter une affaire. On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire. N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon.